En ces temps troublés pour l'humanité, nous avons tous besoin d'espoir. L'espoir de vivre un jour en paix et en harmonie avec notre environnement, dans un monde où la technologie ne serait pas perçue comme une menace, mais comme un outil au service de l'homme et de notre planète. Faire de cet espoir une réalité est l'objectif de Stark Industries. Pour présenter la tournée européenne de la Stark Expo, veuillez accueillir sur scène notre ingénieur en chef, Dan Kremer-Smith. Merci, merci et bienvenue à la Stark Expo. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une invention révolutionnaire. Une invention qui va transformer l'avenir de notre planète. Mais avant de vous la révéler, laissez-moi revenir sur certaines de nos créations les plus emblématiques. La voiture volante. Howard Stark a créé le premier modèle de la voiture volante dès 1943. Elle a depuis été développée et améliorée. Elle est maintenant utilisée par des organisations gouvernementales. Malgré les efforts de M. Stark, la FAA n'a toujours pas approuvé sa production de masse. Parfois, l'avenir doit savoir attendre. Le bouclier de Captain America. Cette œuvre d'art conçue pour le premier Avenger est composée du métal le plus rare, le vibranium, ainsi que d'acier et d'un troisième composant tenu secret. Il est capable d'absorber toute l'énergie cinétique, ce qui le rend pratiquement indestructible. Les armures d'Iron Man. Et n'oublions pas, bien sûr, les armures d'Iron Man qui rassemblent le meilleur de notre expertise technologique pour votre sécurité. Elles sont alimentées par la création la plus emblématique de Stark Industries, le réacteur ARC. Pouvez-vous imaginer toute la puissance de cette invention au service de votre foyer, ce rêve est sur le point de devenir une réalité. Je n'en dirai pas plus et passe la main au seul et unique Tony Stark en direct de Hong Kong. Merci Dan et bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Je tiens à saluer la présence des étudiants du lycée Milton High de New York qui ont gagné ce voyage en France grâce à leur excellente performance à mon concours des inventeurs de demain. Je sais que vous aimeriez que je sois là en personne. Malheureusement, des robots-géants ou d'Hydra se sont invités à ma Stark Expo ici à Hong Kong. Alors, j'ai dû jouer les leaders. Ne nous laissons pas distraire. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une technologie qui est déjà très aboutie et qui va vraiment changer la face du monde, comme je fais toujours. Une technologie qui va nous propulser directement vers le futur. Cette nouvelle version du réacteur ARC crée de l'énergie à la demande. Il peut aussi bien alimenter une moto qu'une ville tout entière. Mais il peut également alimenter en énergie votre maison, votre immeuble ou un parc à thème comme celui-ci. C'est une source inépuisable d'énergie verte que nous allons... Je suis Loki, dieu de la discorde. Je suis désolé d'interrompre cette petite présentation, mais je crois que cette invention est plus digne de moi que de vous. Pauvre mortel, oubliez Stark! Proclamez votre loyauté à mon égard et je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Ce qui n'est peut-être pas ce que vous désirez, mais faites confiance à Loki. À genoux! À genoux! Accomplissez votre destin et acceptez d'être dirigé par moi! Criez mon nom, Loki! Criez mon nom! Loki! 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 Oui! Vous avez raison. Nous, pauvres mortels, nous ne pourrons jamais vous vaincre. Pouvez-vous juste me promettre que vous n'allez pas utiliser ce réacteur ARC pour me faire du mal? Je ne fais pas de promesses aux insectes. Et c'est tout ce que tu es pour moi. Écoutez votre maître! Bien sûr. Mais que comptez-vous faire de cette technologie? Penses-tu sincèrement que je vais te révéler mes intentions? Non, évidemment. Je n'en suis pas digne. Et puis je ne comprendrai probablement pas grand-chose à vos explications de toute façon. Voilà l'attitude que j'attends de vous. Disons simplement que cette précieuse technologie va m'aider à accomplir mon seul objectif, conquérir les 9 royaumes. Sauf que je ne vois pas comment un si petit objet pourrait accomplir plus de choses qu'au pouvoir divin. Eh bien, s'il est adaptable à l'immensité de mon pouvoir, j'ai l'intention d'utiliser ce nouveau réacteur ARC et de créer une PEM. Et quoi? Une pulsation électromagnétique ignorante. Et
et le PEM assez puissantes pour détruire tous les systèmes électroniques de votre planète. Plus de téléphones, plus d'internet, plus de télévision, de voitures ou d'avions. Vous serez ramenés au Moyen-Âge. Sans toute leur technologie, les Avengers seront impuissants. Et vous n'aurez qu'un seul maître, moi. Quel plan complexe et ingénieux. À genoux. Merci pour cette information, c'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, lâchez ce réacteur, Loki. Black Widow, quel plaisir. J'ai dit, lâchez ce réacteur. Donnez-moi ça un instant. Bon, pour la petite histoire, j'aurais pu me débrouiller sans l'intervention d'Or.